Et salut à toi, j'espère que tu vas bien et avant tout, joyeux Noël. Oui, parce qu'au moment où cette vidéo sera sortie, ça sera le 25 décembre. Oui, je sors une vidéo le 25 décembre et pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Et pour cette occasion, j'espère que tu as été gâté. Alors, ce sera pas la vidéo aujourd'hui cadeau de Noël, non, parce que si je la sors le 25, c'est-à-dire que je l'ai tournée avant, donc j'ai pas encore mes cadeaux. Mais du coup, j'avais envie de te faire un petit point sur le full set Nintendo 64. Oui, parce que il faut en parler, c'est important. Hein. Et oui, aujourd'hui, petite vidéo puisque forcément semaine de Noël, c'est-à-dire beaucoup de boulot, les cadeaux, le repas, enfin tout préparé, voilà. Donc toi-même tu sais que j'ai pas forcément eu le temps de te préparer un gros sujet de vidéo, mais voilà, je me suis dit c'est le moment de te faire un petit point sur où on s'est arrêté et où on en est aujourd'hui sur le full set. Donc la dernière fois qu'on a fait une vidéo, c'était en début d'année et où je t'ai dit que j'étais à 43 jeux, ce qui était complètement faux puisque je me suis rendu compte que il y avait une erreur. Donc en fait je suis à 42 jeux et aujourd'hui je vais te montrer ce que j'ai acquéri tout au long de l'année, c'est-à-dire pas grand chose parce que c'est assez cher et c'est assez dur de trouver des pièces à des prix raisonnables, mais voilà, comme j'ai dit, doucement mais sûrement. Et donc on va commencer avec un jeu qui n'est pas forcément en bon état. C'est un Buck Bumble, donc Buck Bumble, un jeu de Ubisoft, un shoot 'em up où on joue une espèce d'abeille cyborg qui doit chasser d'autres insectes. Donc voyez l'état, il est vraiment pas ouf du tout. Mais écoutez, au moins je l'ai, je vais le mettre dans une crystal box après, donc ça devrait normalement le remettre. Je vais mettre du papier dedans également pour remettre le carton un peu droit, parce qu'il est un peu écrasé. Et donc le jeu est avec la cale, hop là, le jeu, et il y a la petite notice. Alors c'est pas la notice du jeu, c'est les petites conditions d'utilisation, etc, les garanties et tout. Bon voilà, donc ce jeu je crois que je l'ai payé une douzaine d'euros, donc c'est pas cher du tout. Mais l'état n'est pas terrible et je cache pas que sur la photo ça avait l'air de rendre un peu mieux. Bon, écoutez, au moins ça fait un jeu de plus dans la collecte et on continue doucement ce full set. On va continuer après avec un jeu, vous savez que je suis un grand fan de football, mais il faut bien l'avoir dans le full set. Donc j'ai le International Superstar Soccer 98, oui j'avais déjà le ISS 64 et là on a le 98 avec deux joueurs de foot que je ne connais absolument pas parce que je ne connais rien au football du tout. Mais je sais que les ISS, voilà, c'est les PES de l'époque, sont pas mal du tout. C'est des très bons jeux de foot, plus techniques que les FIFA à l'époque. Et ben voilà, donc celui-ci il est en très très bon état. Il y a le jeu, la cale et la notice. Il est complet celui-ci, d'après mes souvenirs. Et j'ai dû avoir ce jeu pour entre 15 et 20 balles. Donc pareil, pas très cher parce que les jeux de foot sur 64, c'est ce qu'on trouve limite le moins cher. Et voilà, très bon état, la boîte est impeccable. C'est un jeu Konami, Konami Sport même. Donc voilà, un nouveau jeu pour le full set. Et on va continuer avec un jeu. Ah, celui-là j'étais trop heureux de l'avoir. Et donc si vous aviez vu le méga haul avec mes codes d'anniversaire, vous n'avez pas raté ce magnifique Yoshi Story. Un jeu de mon enfance que j'aime particulièrement, qui n'est pas le meilleur Yoshi parce qu'il est trop facile, très court et tout, mais qui a une ambiance tellement particulière que j'aime particulièrement. Et donc mon meilleur ami me l'avait offert à mon anniversaire et je suis trop heureux. Il est dans un très très bon état pour moi, je suis désolé. Ah oui, bien sûr les gens me disent oui non mais c'est pas du mint et tout, mais moi je m'en fous parce que pour moi c'est déjà en très bon état, parce que trouver des jeux 64 en un état impeccable aujourd'hui, bonne chance hein, et puis paye ton prix. Et donc il est complet avec la notice, la cale, le jeu, tout est là et ça fait plaisir. Donc voilà, ce petit Yoshi Story que j'aime particulièrement. Et un autre jeu que j'ai eu à mon anniversaire, attention, c'est le Space Station Silicon Valley que mon homme m'a offert et qui fait partie également des jeux de mon enfance, qui est une sorte d'ovni où on joue des espèces d'animaux extraterrestres et on doit faire... C'est un jeu de plateforme que j'apprécie beaucoup, qui a une ambiance très particulière, qui a une OST assez sympathique. Je sais que ça plaira pas à tout le monde ce genre de jeu, d'ailleurs j'aimerais bien le faire un jour en live, pourquoi pas. Mais je ne saurais pas comment le décrire, c'est un ovni. J'en gardais des bons souvenirs dans mon enfance. Alors je crois qu'il n'est pas complet, il n'y a pas la notice dans celui-ci. Non, il n'y a pas la notice, il y a la cale, le jeu, mais pas la notice. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir ce jeu. Et j'étais tellement content de l'avoir à mon anniversaire, parce que je ne le trouve que très rarement sur internet. Donc ça fait plaisir. On continue avec un petit achat fait à Bordeaux dans un Game Cash. Je ne sais plus combien je l'ai payé exactement, mais je crois que je l'ai payé 15 balles, pas plus. C'est le Yannick Noah All-Star Tennis 99. Voilà, un jeu de tennis, je ne sais absolument pas ce qu'il vaut. J'adore les jeux de tennis, pas trop jeux de sport, mais les jeux de tennis, je trouve ça super fun, notamment les Tom Spin, les Virtua Tennis. Et celui-ci, jamais essayé, donc pourquoi pas un jour l'essayer. Et donc ça rejoint le full set. La boîte était
impeccable pour un jeu vendu moins de 15 balles. Franchement, ça vaut le coup. Il n'y a pas la cale, juste... si, il y a la cale, pardon, mais il n'y a pas la notice. C'est ce qu'elle m'avait dit, la vendeuse. Mais je lui ai dit, honnêtement, c'est pas grave. Je pourrais trouver peut-être la notice plus tard. Puis sur ce genre de jeu, honnêtement, je ne vais pas être pointilleux à ce point-là. Ensuite, on continue pareil. Là, je suis trop content d'avoir trouvé ce jeu sur Vinted. Et en plus, je ne l'avais pas fait. J'avais fait la version Super Nintendo à l'époque. Je n'avais pas fait cette version 64. C'est le Pilotwing 64. Et je suis trop content de l'avoir. Regardez, la boîte, elle est dans un état impeccable. Je l'ai payé, il me semble, moins de 40 euros. 38 euros, quelque chose comme ça. Alors, ça a dû faire 40, 42 avec les frais de port et tout. Mais pour un jeu dans cet état, avec la boîte, la notice, la cale, tout est complet, ben ça fait plaisir. Donc, je suis trop content d'avoir le jeu et je vais pouvoir peut-être enfin essayer ce Pilotwing, ce qui, à ce qui paraît, était pas mal du tout. Hein. Alors, il reste plus que deux jeux. Ouais, ça a été assez light ces années, je vous l'ai dit. Mais parce que aussi, je suis sur d'autres choses et je dois faire des économies et dépenser mon argent dans d'autres trucs pour des projets pro. Je vous en parlerai en temps voulu parce que pour l'instant, c'est encore trop tôt pour vous en parler. Mais sachez que je prépare un gros, gros projet qui est pas en lien direct avec YouTube, mais qui est en lien avec ma passion. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. Et donc, prochain jeu, c'est un Lego Racer, voilà, que j'ai eu pour une vingtaine d'euros sur Vinted également, qui est en état quand même très très correct, très propre même. Et dedans il y a le jeu, la notice, et je crois qu'il n'y a pas, voilà, il y a juste pas la cale, il me semble, ou alors c'est les cales, vous savez, qui sont déjà intégrées dans les boîtes et qui sont toutes écrasées. Donc faut que je regarde si je peux le remettre en place. Donc Lego Racer, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, encore une sorte de Mario Kart like à la Lego. Est-ce que c'est cool? J'en sais rien, faudrait que j'essaye. Si vous avez fait le jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, ça a l'air d'être un truc où en plus on peut personnaliser le véhicule, le personnage, donc pourquoi pas voir si le gameplay suit. Mais bon, ça fait toujours un jeu de plus pour le full set. Et on finit avec un jeu que m'avait offert également mon amie Pauline, ma petite popo. Je crois que c'était pour mon anniversaire d'ailleurs. C'est le Mario Kart 64 que j'ai déjà, mais en version choix des joueurs. Et là, j'ai la version original. Et regardez-moi cette boîte, l'état est juste top. Bon, alors oui, bien sûr, oh, c'est un peu corné et tout, vous allez me dire, mais pour moi c'est juste top. Et pareil, complet, je notice, boîte, tout est là. Je sais pas si ça va faire le focus, voilà, je notice et boîte, voilà, tout est là, c'est dans très bon état, je suis trop content. Et Mario Kart 64, qui est un de mes Mario Kart de cœur, parce que c'est le tout premier Mario Kart que j'ai fait, même avant la version Super NES que j'ai fait un peu après. Trop trop content d'avoir cette version là en version originale. Alors oui, il y a du scotch, je pense que les gens avaient scotché la boîte à un moment, mais bon, ça me gêne pas, j'essaierai de le décoller proprement, mais j'ai trop peur. Si vous avez une astuce pour le scotch, parce que en général les étiquettes utilisent de l'essence F ou ses cheveux, mais là j'ai un peu peur vu que c'est du scotch. Donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les donner. Et donc en rajoutant ces 8 jeux, nous sommes au total à 50 jeux Nintendo 64. Alors je dois être à peu près à 80 parce que j'ai des jeux en loose. Donc je dois être dans les 80 jeux avec tous mes jeux en loose, sauf que moi pour le full set je compte que les jeux en boîte. Donc voilà, 50 jeux aujourd'hui. On avance doucement mais sûrement, comme j'ai dit, à peu près 200, entre 240, je crois que c'était 247, mais sans les jeux choix des joueurs, et on est un peu plus pour, si on rajoute les choix des joueurs que je vais prendre sur le full set PAL, je rappelle, hein, parce que je ne fais pas le full set JAP, hein, sinon je m'en sors pas. Hein. Et donc voilà les amis, c'était la fin de la vidéo, on se retrouvera prochainement pour le compte-rendu des cadeaux de Noël, forcément, oui, tu t'en doutes bien. J'espère en tout cas que tu passes de très belles fêtes, que tu as été gâté, que tu as bien mangé. Reste positif, partageons ensemble notre belle passion du jeu vidéo. Et sur ce, à très bientôt les amis.